remarquez pas un changement de son, comme si on était revenu en 2022-2021. En effet, j'ai changé d'enregistreur, mais je n'ai pas encore changé de micro. Je pense que de ce côté, il va falloir que je fasse le nécessaire, puisque j'ai comme l'impression que ce micro est moins sensible que celui-ci. Et pourtant, j'ai augmenté sa sensibilité de 0,5. Il est à 8 de puissance et celui-ci est à 7,5 de puissance. Ou peut-être parce que c'est mon oreille droite qui est plus sensible que mon oreille gauche. Est-ce que vous avez également cette sensation ? Après un an d'utilisation de mon précédent enregistre, le Mixpray 3, il est temps d'utiliser un enregistreur moins cher, mais peut-être avec un son différent et peut-être plus relaxant, enfin je l'espère. Pour cette vidéo, j'espère déjà que vous allez super bien et nous allons faire une petite séance de tapping, un nouveau tapping. Essayer de se concentrer au maximum sur ce nouveau tapis. J'ai également cette impression que ces micros sont beaucoup plus sensibles sur les... Enfin pas les micros, mais la combinaison micro et enregistreur H6. J'ai l'impression que cette combinaison est beaucoup plus sensible sur les sons extérieurs. Parce que là, ça fait la troisième fois que je tourne cette vidéo parce qu'on entendait des bruits nuisibles dans le voisinage. Comme si c'était... plus sensible, plus puissant. Mais c'est pas plus mal que ça. Voici une sacoche de Nintendo DS. Là-dedans se trouve ma Nintendo DS Lite.
Qui abîmait bien l'écran. Justement, l'accessoire Guitar Hero s'insérait dans le port cartouche Game Boy Advance d'une DS Lite ou DS Tank, et c'est pour ça que Guitar Hero ne peut pas se jouer à partir des DSi puisqu'il n'y avait plus le support cartouche Game Boy Advance, ce qui était dommage.
mais je ne sais pas combien on avait eu de likes dans cette fameuse vidéo. Et bon, on va compter 100 likes, un jeton. Non, 50 likes, un jeton, il y avait eu 1000 likes, donc il me faut... je trouve. Je ne sais pas si vous l'entendez de votre côté. Je ne sais pas si vous l'entendez bien de votre côté. Si je ne fais rien. Si vous entendez ce que j'entends actuellement. Qui parle. Non. Je n'entendais plus ça avec le précédent enregistreur. Il va falloir être très 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 prudent. Enfin, pas prudent dans le sens danger, mais prudent concernant les sons nuisibles que vous pouvez entendre. Et il faudrait que je change de tabouret en même temps. N'oubliez pas, pour les pourboires ASMR. Je vais essayer de les reprendre prochainement. Essayez d'avoir ce petit réflexe pour votre plus grand bonheur et surtout pour le plaisir de vos oreilles. Sont différents selon le sens du tapping, enfin dans quel sens on tapote la clé de la voiture. Côté avec bouton, côté plastique dur.
jamais utilisé auparavant. Une claquette. Une tong. Je sais pas comment vous appelez ça. Je n'arrive pas à savoir quel est le meilleur côté. Si le tapotement avec les doigts est plus efficace que le tapotement avec les ongles. Encore une fois, ça dépend des objets que l'on manipule et il faut savoir bien contrôler la pression des ongles plutôt que le tapis, que le tapotement avec les doigts parce que les ongles sont beaucoup plus sensibles. J'avais pris plein d'objets pour cette vidéo, mais je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu nouveau. Utiliser des objets que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Mais j'ai quand même préférence pour la clé de voiture. C'était de face. Vous n'êtes pas d'accord? Mais pourquoi pas terminer avec un grand classique? Une simple balle de baseball en mousse. Une simple. J'espère que ce nouveau tapping ASMR vous aura bien relaxé. Je suis
satisfait du résultat personnellement.